prince de France va-t-il se faire coiffer au poteau par l'Irlande dans sa propre Coupe du Monde? C'est en tout cas ce que pronostique la société anglaise Opta, spécialisée dans l'exploitation et l'analyse des data dans le monde du sport. Avant le mondial, celle-ci avait donné les Bleus comme favoris pour la victoire finale. Au vu des résultats de la phase de poule, l'Irlande aurait pris l'ascendant. De 15 du trèfle à 21. 4% de chance de décrocher le titre, contre 20,2% pour les Français. Comme avant la compétition, Opta a compilé des milliers de données pour parvenir à ce chiffre. Plusieurs millions de combinaisons possibles ont été analysées grâce à plusieurs critères comme les résultats des équipes sur les derniers mois, leur performance lors des dernières Coupes du Monde, les niveaux de chaque poule, les résultats lors des derniers affrontements directs, etc. Cela a finalement permis à l'intelligence artificielle de pronostiquer une finale entre la France et l'Irlande. Tous les quarts de finale ont été passés au crible. Comme prévu, les matchs France, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, Irlande sont les plus serrés, même si les deux nations européennes sont donc favorites. Face aux Springboks, les Bleus ont 55,23% de chance de l'emporter. Contre les All Blacks, les Irlandais sont donnés vainqueurs à 54,84%. Les résultats des deux autres quarts de finale semblent plus évidents. Sans surprise, le pays de Galles devra terrasser les Argentins 58,67%, tandis que les Anglais ne vont, selon Opta, faire qu'une bouchée des Fidjiens 70,31%. On aurait donc un dernier carré totalement européen. Une première dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Comme toujours, la suite de la compétition dépend de la réussite des pronostics précédents. Cependant, Français et Irlandais sont donnés largement favoris. Quel que soit leur adversaire en demi-finale. Une éventuelle finale entre les deux serait beaucoup plus équilibrée. Suite à toutes ces analyses, Opta a tout de même estimé que le 15 du trèfle partait légèrement favori. Au lieu de déjouer les statistiques et d'aller décrocher ce trophée William Webb Ellis tant convoité.